Par lui, tu es plus que vainqueur. Par Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Jésus vit. Oh, come on. Il va nous faire du bien. Alléluia. Il n'est plus dans le tombeau, il va nous faire le bien. Alléluia. Il va terrasser Goliath. Hey. Ale.
De lui et nous nous a donné l'accès dans le Saint des Saints où nous contemplons sa puissance, où nous contemplons sa grandeur. Nous voulons maintenant accueillir la chorale Espérance de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Alléluia. Chorale dirigée par le maestro Didier. Et aujourd'hui, ils vont nous interpréter un chant, Tu ne changes pas. Alléluia. Hier, ils nous ont interprété un chant qui disait, Le Seigneur me connaît. Toi seul, tu me connais. Alléluia. Est-ce que nous pouvons les acclamer pour les encourager? Voilà, avant la chorale, il y a le mot des femmes et j'invite maman Alphonsine à venir. Bonjour les mamans. Bienvenue dans cette belle salle, n'est-ce pas? Joyeuse Pâques à toutes. Alléluia. Parler de notre association. Alléluia. Le département des femmes. Dites le département des femmes. Alléluia. Bien, le département des femmes est représenté par toutes les femmes membres de nos églises à Bruxelles ainsi que les églises des provinces. Donc, ils sont représentés. Nos jeunes filles, nos jeunes dames, nos mamans et nos mamies. Alléluia.
la porte est ouverte à tout le monde. Comment fonctionne ce département? Au niveau national, nous avons toutes les églises regroupées dans la dénomination qu'on appelle Église de Dieu en Belgique. Alléluia! Vous connaissez votre dénomination, n'est-ce pas? Nous sommes l'Église de Dieu en Belgique. Alléluia! Toutes les femmes de ces églises réunies forment ensemble le département des femmes. Tel que vous êtes là, tel que nous sommes là, nous sommes le département des femmes. À la tête de ce département, nous avons le pasteur Ngoï Rosiane. Alléluia, Mama Bishop. Alléluia. C'est elle. Comment fonctionne ce département? À la fin de chaque année, le département des femmes organise ce que nous appelons toujours la retraite. Une retraite nationale. Hein? Nous l'appelons retraite nationale. Nous allons à Ostende, n'est-ce pas? Tous les deux ans, le département des femmes organise notre convention nationale des femmes. D'ailleurs, la convention de cette année aura lieu les 12 et 13 juillet à Bruxelles, dans la rue Picard. Alléluia! Vous avez retenu? Lors de ces deux grandes réunions, la présidente nationale choisit le thème de notre partage tout en gardant la vision reçue par l'évêque. Alléluia! En dehors de ces deux événements, le département des femmes utilise une grande réunion en déplacement en province, dans une province qu'on choisit, et nous avons ce que nous appelons la macro-réunion. Alléluia! Nous allons le matin, souvent en jeûne, nous restons priés dans cette région-là jusqu'à 16 heures, aux environs de 16 heures. Nous prions pour la province qui nous reçoit, nous prions pour la Belgique, pour les autorités belges, nous prions pour les situations qui accablent les femmes, nous prions pour nos familles, pour nos sous-groupes. Au niveau local, chaque église organise des réunions hebdomadaires selon le programme établi par le pasteur qui dirige l'église. Le plus important est que chacune de nos églises et chacune de nos réunions met l'accent sur la parole de Dieu et la prière. Disons la parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu et la prière. Alléluia. Le département des femmes enseigne aux femmes sur la responsabilité de la femme dans différents domaines. Alléluia. Le rôle de la femme dans la société, l'entente et l'harmonie dans la famille, le rôle de la femme dans son foyer. Alléluia. Dans l'éducation des enfants, dans la santé et dans la société. Comme l'Église enseigne à ses membres les notions pratiques de la vie quotidienne, telles que le respect des lois, le paiement des factures, le paiement des impôts. Alléluia! Le département des femmes enseigne et rappelle à la femme son rôle, qui consiste à enseigner autour d'elle les valeurs qui vont permettre de mener une vie de meilleure qualité dans ce pays, mais aussi d'amener un changement dans nos pays. Alléluia! Ainsi, pour demeurer dans la vision et pour un fonctionnement efficace et bénéfique dans toutes nos églises, le département de femmes dispose d'un code de conduite. Alléluia! Tous les comités des églises disposent de ce code de conduite-là, qu'un responsable, une responsable qui est nommée dans un comité doit avoir lu et posséder ce code de conduite. Comment nous fonctionnons au fait au quotidien? Nous avons les sous-groupes. Eh bien, les sous-groupes, c'est parce que les présidentes et les autres responsables ne peuvent pas faire le travail tous les jours. Alors, nous avons des sous-groupes, vu que le travail s'articule autour de nous-mêmes, les femmes. D'abord, nous avons les Tabitha, les femmes qui servent avec leur argent
et leur casserole. Alléluia. Les Tabitha, vous êtes là? Nous avons les Ruth, les femmes qui visitent et remotivent les sœurs malades, affaiblies dans la foi, les sœurs éprouvées, les femmes de distinction chargées de la propreté du sanctuaire. Maman Bishop a l'habitude de dire, c'est des femmes qui ont les mains en or. Alléluia. Les femmes d'action, celles qui n'ont pas beaucoup de temps, mais qui soutiennent l'œuvre de Dieu avec leur portefeuille. Elles travaillent beaucoup. Et puis, les femmes qui font la mobilisation. Alléluia. Ces femmes courent d'église en église pour mobiliser. Même dans l'église locale, il y a une section mobilisation. Je m'arrête un tout petit peu là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on dirait que ce département est en train de faiblir. Alléluia. Il faut qu'il y ait au milieu de nous des femmes, des jeunes dames qui maîtrisent les nouvelles technologies. Dès que nous faisons la réunion, nous tombons d'accord, il y a une des responsables qui envoie. Chez nous, à Bruxelles, nous avons notre sœur Virginie Poutou. Quand Virginie Poutou vous envoie un texto, c'est un ordre. Alléluia. Et nous fonctionnons comme ça. Et puis, dans nos églises, il y a ce qu'on appelle la cafétéria. Pourquoi? Parce que nous ne souhaitons pas que les enfants traversent. Nous, à Picard, on a beaucoup de problèmes. Donc, il y a le pain, il y a tout ce qu'on peut avoir, des petits sandwichs, des gros sandwichs, du coca et autres. Pour terminer, je voudrais dire ceci. L'activité du département des femmes repose sur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia! Sur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Alléluia! Et c'est le Seigneur qui est en premier. C'est le Seigneur qui fait tout. Et dans les réunions que nous avons en province, nous mettons aussi l'accent sur la parole. Nous avons eu une macro-réunion le 23 février à Liège, n'est-ce pas? Pendant cette réunion, Maman Bishop nous a dit qu'il faut savoir faire un choix. Il faut savoir faire un choix. Elle a illustré sa parole par les deux sages femmes à qui l'on avait demandé de tuer les jeunes garçons qui allaient naître. Elles ont refusé. Mais à la fin, la parole de Dieu dit que l'Éternel a béni les sages femmes. Alléluia! Concernant nos réunions, nous à Bruxelles, il y a deux réunions hebdomadaires. Une réunion d'intercession les lundis et une réunion de prière et de partage de la parole les mardis. Alors, les mamans, les femmes, je vous invite toutes à vous engager dans les différents sous-groupes pour le travail de Dieu. Ainsi, la grâce de Dieu nous environnera toujours dans toutes les activités. Amen. Je voudrais aussi terminer par notre agenda. Vous pouvez noter cela. Le 4 mai à 14h, toutes les responsables des femmes, nous allons nous réunir pour préparer la Convention nationale des femmes. Et cette convention aura lieu les 12 et 13 juillet 2019 à Picard, à Bruxelles. Alléluia. Ensuite, il y a un gros dossier, c'est la retraite nationale des femmes. Elle aura lieu les 31 octobre, 1er et 2 novembre à Ostende. Alléluia. C'est douloureux, mais le prix est fixé à 200 €. 200 €. Alléluia. Alors, bien-aimés, décidons-nous, engageons-nous, ne reste pas oisif. C'est comme si tu n'étais pas dans une église. Entre dans un sous-groupe. Ainsi, le département de femmes va fonctionner comme nous le souhaitons et comme notre responsable désire. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Alléluia.
avant que la chorale puisse nous interpréter les chants, je voulais seulement dire que Maman Swift, à la fin de cette réunion, viendra nous parler d'un programme important sur l'Europe. Amen. Donc, place à la chorale Espérance. Amen. C'est ça. Bouge. Au son de la musique. Nouvelle Jérusalem 2019. Notre Dieu ne change pas. Dieu tu étais, Dieu tu seras. Tu ne changes pas. Sans les mains. J'ai beau refaire l'addition, mais j'arrive à la même conclusion. Tu es mon Dieu, tu ne changes pas. J'ai beau refaire l'addition, mais j'arrive à la même. Avec les mains, les mamans. Dieu, tu étais. Dieu, tu étais. Mon Dieu, tu seras toujours. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Dieu, tu étais. Dieu, tu étais. Mon Dieu, tu seras toujours. J'arrive. Oh, oh, oh.
le, 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 le. Tu ne changes pas, tu ne changes pas. Le, 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 le. C'est Dieu là, il ne change pas, il ne change. Oh, je ne vous comprends pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Il est le même. La preuve en est que l'année prochaine, à Pâques, nous serons encore ici. Ça fait 28 ans. Donc nous célébrons toujours Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas changé. Alléluia. Nous voulons maintenant accueillir la chorale de la Nouvelle Jérusalem de Charleroi. Ils vont nous interpréter Précieux Jésus. Alléluia. Précieux Jésus. Alléluia. Bonjour à tous. Voilà, nous allons vous interpréter ce chant Précieux Jésus parce que Christ est le don merveilleux. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Christ est le don merveilleux. Nous voulons juste partager ce chant. Christ, le don merveilleux pour l'humanité. Alléluia. Oui, tu es digne de louange. Tu es digne, Seigneur. Disons Jésus. Jésus. Comment? Jésus. Oh, combien ton amour est grand. Alléluia. Oh, Jésus. 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 Oh, tu t'es donné en sacrifice pour me sauver. Quel don merveilleux. Quel don merveilleux. Jésus, Jésus, précieux Jésus, merveilleux.
merveilleux. Christ s'est donné pour nous et il est ressuscité. C'est ça le don merveilleux de Dieu. Acclamons encore la présence du Seigneur. Merci pour ce don. Nous te bénissons, roi de gloire. Au nom de Jésus. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. Joyeuse Pâques. Jésus-Christ est ressuscité. Je vous aime beaucoup, hein. Frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Je suis venu ici pour vous dire quelque chose de spécial qu'on n'a jamais fait. Cette année, nous souhaitons faire quelque chose d'un peu spécial. Maintenant, j'aime aussi la bus. Nous voulons mettre à l'honneur trois de nos pasteurs. Vous les connaissez très bien. Mais je vous laisse découvrir une petite vidéo pour que vous les connaissiez davantage. Lancez-moi la vidéo. L'Église de Dieu en Belgique, la Nouvelle Jérusalem, après bientôt 35 ans d'existence, souhaite vivement honorer et remercier trois de ses pasteurs. Ce sont les plus âgés et ils sont actifs dans le ministère depuis plus de 30 ans. Nous voulons leur dire merci pour l'exemplarité de leur foi, leur engagement et leur consécration au ministère pastoral, au service des hommes, de l'Église et du Seigneur. Commençons par le pasteur Bertin Biacini. Le pasteur Bertin Biacini est né le 11 mai 1945. Elle s'est fait baptiser en 1982 et est arrivée à la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles en 1985. Depuis, elle n'a pas cessé d'exercer plusieurs ministères dans l'Église. Son ministère pastoral a commencé en 1995. Elle a notamment été l'une des responsables nationales des femmes. À 73 ans, elle est aujourd'hui pasteur et responsable du service de 8h30 à la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Elle supervise également le comité diaconal en charge, entre autres, de l'audiovisuel, de la librairie et du service de Sainte-Seine. Mère de 5 enfants, elle est aussi une mamie aimante de 10 petits-enfants. C'est une femme consacrée qui aime Dieu. Le pasteur Paulin Collot est né le 17 janvier 1946 et est arrivé à la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles en 1987. À partir de 1988, il a commencé à travailler dans de nombreux ministères. Les cellules de prière, ensuite les codimes, en passant par l'association des hommes, la prière du matin, les veillées, etc. Son ministère pastoral, il le commence en 1995 à Mons et l'année suivante à Leuven. Âgé de 74 ans, il est marié à maman Martine. Il est père de 6 enfants et grand-père de 4 petits-enfants. On peut le décrire comme un homme de prière, un pionnier, un homme fidèle. Le pasteur Edmond Malonda est né le 14 mars 1949 et s'est converti en 1977 en République démocratique du Congo. Il démarre son ministère pastoral en 1979 et arrive à la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles un an plus tard. En 1999, il commence une cellule de maison à Braine-le-Comte qui deviendra l'église de la Nouvelle Jérusalem en 2001. Aujourd'hui, avec plus de 20 ans de ministère pastoral, il est le directeur de la faculté de formation théologique de Bruxelles. Marié à maman Élise, il est père de 5 enfants et grand-père de 7 petits-enfants. À presque 70 ans, cet homme amoureux de l'histoire de l'église est un expert du pentecôtisme. Un homme souriant.
sœurs, je voudrais vous demander de vous tenir debout pendant qu'ils montent sur l'estrade. Nous allons les applaudir. Ils sont là. Mamou Samba, la femme du pasteur Paulin, vient de se faire opérer. C'est pour cela qu'elle est en béquille. Okay. Nous allons prier pour eux. Vous pouvez tendre vos mains vers eux et nous allons demander au Seigneur de leur donner ce que Dieu a dit, hein, que l'âge maintenant est prolongé jusqu'à 120 ans. Amen. Vous n'êtes pas vieux, hein? Dieu a dit c'est 120, que Dieu vous donne la force et que vous viviez. Amen. Plus de 100 ans. Amen. Trois fois Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Seigneur Jésus, je voudrais prier pour tes oins. C'est toi qui les as appelés depuis le sein maternel. Oh, je te bénis pour leur travail, pour leur consécration, pour leur amour pour toi et pour leur temps de prière. C'est des vrais intercesseurs. Seigneur, je prie pour leur bonne santé. Donne-leur une bonne santé. C'est toi qui as dit en Exode chapitre 23, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain, il bénira vos eaux. Donne-leur à manger de l'argent, bénis leur pain. Donne-leur de l'eau spa, la meilleure qualité au nom de Jésus. C'est toi qui dis, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Et je prolongerai le nombre de jours. Éloigne la maladie. Éloigne les bobos. Prolonge le nombre de jours. Au nom de Jésus. Éloigne les bobos. Éloigne les maladies. Prolonge le nombre de jours. Au nom de Jésus. Merci pour l'onction. L'onction pour les ministères. Merci Seigneur d'élever les hommes et les femmes qui vont leur faire du bien. Seigneur, j'ai béni ton nom et j'ai béni tes serviteurs et tes servantes au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que, voilà, vous pouvez applaudir. Vous pouvez rentrer à votre place et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous demander de vous lever. Nous voulons préparer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Nous voulons tout justement chanter ce chant qui nous dit « Je m'abandonne ». Comme Marie est venue s'abandonner aux pieds du Seigneur pour recevoir la bonne part. Alléluia. Nous voulons aussi nous recevoir la bonne part. Alléluia. Nous voulons que cette convention soit différente. Parce que c'est la première fois que nous sommes ici, donc nous voulons aussi des nouvelles choses, nous voulons aussi une nouvelle parole. Alléluia. Et notre frère Armand va nous conduire dans ces chants. Alléluia. Alléluia.
Nous allons nous abandonner encore auprès de notre Seigneur avant l'écoute de sa parole. Et nous allons chanter. Alléluia. Me voici. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. Oui, j'abandonne tout, Seigneur. J'abandonne tout. Mon seul désir. Mon seul désir. Alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi, Seigneur. Je m'abandonne, chante-le. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître. Je veux plus te connaître. Disons, par ta grâce. Par ta grâce. Viens inonder mon Alléluia. Âme. J'ai besoin de toi. Ce soir, nous avons besoin de toi. Mes bras ouverts ce soir, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Tu entends ma prière. Ce soir, parle à mon cœur. Je m'abandonne.
Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, le service d'ordre, s'il n'y a plus de place dans la salle, les gens peuvent aller dans la salle Silver, s'il vous plaît. S'il n'y a plus de place dans la salle ici, la salle Silver est disposée pour accueillir tout le monde. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour faire notre confession de foi? Nous disons tout ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Le prédicateur de cet après-midi, c'est une fille de pasteur. C'est une fille de pasteur qui a grandi dans l'église. C'est une maman. C'est une pasteur ordonnée. Non seulement elle a fait la faculté, mais elle a appris auprès de son mari qui est sacrificateur. Alléluia. C'est une femme de prière. C'est une femme qui déménage les démons. Alléluia. Quand elle arrive quelque part et qu'elle prend possession du lieu, les démons déménagent. Alléluia. C'est une femme de foi. C'est une femme de foi. Alléluia. La prédicatrice de cet après-midi, c'est notre présidente nationale, la présidente Maman Rosiane Ngoï. Est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir notre présidente? Alléluia! Alléluia! Welcome! Alléluia! Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Je lui demande, mais nous sommes au Wakaraponanga. Alléluia. La grâce du Seigneur. Nous sommes ici par grâce, n'est-ce pas? Si tu t'es réveillé ce matin, c'est par grâce. Merci Seigneur pour la douche chaude que j'ai prise ce matin. Parce qu'on ne m'a pas annoncé qu'il n'y a pas d'eau. Pendant que je lave mes cheveux. N'est-ce pas? Et puis, je me suis lavé à la douche. C'est pas dans un seau, comme c'est dans l'habitude à la rivière où je me suis lavé. Notre Dieu est un Dieu de grâce, n'est-ce pas? La grâce coule partout. La pluie, le soleil, c'est la grâce. Est-ce que quelqu'un a payé pour avoir le soleil? Hier, on a fait le bain de soleil. Hein? Tout ça, c'est la grâce. Parce que le thème de l'année, c'est la grâce. La grâce pour le salut des hommes. Et manifeste ce qui fait que il faut ouvrir les yeux pour voir la grâce. Ce n'est pas dans mes habitudes, je vais d'abord prier. Ok? Prions pour la parole. Seigneur, merci pour les chants, merci pour l'adoration.
Merci pour les honneurs, pour nos trois pasteurs, pour leur fidélité. Merci pour ce temps de la grâce. Merci pour ta parole. Nous croyons dans ta parole. Nous voulons partir de ce lieu instruit, encouragé, corrigé par ta parole. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, je vais faire des bruits. Sans toi, nous allons être distraits. Viens, Esprit de vérité. Viens, Esprit créateur. Viens, Esprit de vie. Sanctifie-nous par ta parole, parce que ta parole, c'est la vérité. Nous bénissons ta parole en ce moment-ci, au nom de Jésus. Seigneur, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis aux deux voisins, nous sommes ici par grâce. Nous nous sommes réveillés par grâce. Hein? La grâce, comme tout, il y a tellement eu de bons prédicateurs que je ne sais même pas ce que je vais raconter. La grâce, c'est la faveur imméritée. La vie, la santé, la famille, les parents, les enfants, le soleil, la lune, c'est par grâce. Amen. Nous lisons dans Jacques, chapitre 1, verset 17. Il y a eu tellement de bonnes prédications. Pour ceux qui notent, en tout cas, on a eu de la matière. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Jacques, chapitre 1, verset 17, nous dit ceci. J'ai fait ce que le bishop m'interdit de faire, prendre le verset hors contexte. Jacques, chapitre 1, verset 17, commence par le... Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce descend d'en haut. Donc la grâce est partie et part de Dieu. Personne n'a fait des efforts. Personne n'a acheté la grâce. C'est Dieu lui-même. Psaume chapitre 84. Pour dire que la grâce, c'est Dieu lui-même. Psaume chapitre 84, verset 12, nous lisons ceci. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Alléluia. Et quand Israël a péché dans le désert, lorsqu'ils ont fabriqué un veau d'or, quand Moïse était à la montagne et que Moïse est revenu, il a trouvé cette situation, il a cassé même les lois et il a commencé à discuter avec Dieu. Dieu, si tu dis que j'ai trouvé grâce devant tes yeux, nous ne partirons pas d'ici si tu ne viens pas avec nous. Alors Dieu a répondu, Exode chapitre 33, verset 19, en disant, je fais grâce à qui? Je fais grâce. Et miséricorde à qui? Je fais miséricorde. Donc, Dieu va te faire la grâce, toi. Amen. Seulement, il faut ouvrir les yeux et accepter la grâce. Voici le message qu'on m'a demandé de donner. On m'a demandé de parler des femmes de grâce. Proverbe chapitre 11. Femmes de grâce. Il y a aussi les hommes de grâce, n'est-ce pas? Parce que la grâce est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les femmes, mais c'est aussi pour les hommes. Amen. Proverbe chapitre 11, verset 16 nous dit ceci. Une femme qui a de la grâce obtient
la gloire. Nous répétons ensemble, une femme qui a de la grâce obtient la gloire. C'est ça le verset qu'on m'a donné. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Et psaume 84 nous dit, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Waouh, lokumu. Une femme qui a la grâce, elle a aussi la gloire. Donc, ceux qui ont la gloire, ce n'est pas seulement les First Ladies, c'est-à-dire les femmes des présidents de République américaine. C'est les First Ladies, au fait. Donc, j'ai lu l'histoire des First Ladies. Ça commençait comment? Pasteur Annie m'a offert un livre. Alors, j'ai cherché dedans, j'ai trouvé. Quand est-ce que ça a commencé? Donc, c'est la femme des présidents de la République américaine. C'est eux qui sont les First Ladies. C'est, la gloire, ce n'est pas seulement les First Ladies. La gloire, c'est pour toute femme qui a la grâce. Et je disais que la grâce, c'est pour tout le monde. Du fait que nous soyons là, c'est la grâce. Du fait que nous nous sommes réveillés ce matin, c'est la grâce. Du fait qu'on a eu le moyen de transport pour venir jusqu'ici, nous avons la grâce. Donc, c'est pas seulement pour la femme, c'est aussi pour les hommes, n'est-ce pas? Aussi pour les enfants. Nous avons tous la grâce. Mais le problème, c'est que certaines personnes ne savent même pas qu'ils ont la grâce. Il faut seulement ouvrir les yeux. On peut accepter la grâce ou refuser la grâce. Alors, nous avons des exemples des femmes de la Bible qui ont eu la grâce, comme nous aujourd'hui. Nous commençons par un exemple. Je disais, on peut accepter la grâce ou refuser la grâce. Lorsqu'on refuse la grâce, ça veut dire on refuse la gloire entre nous. Qui va refuser la gloire? Qui va refuser? On va commencer à t'applaudir. Quand tu passes tapis rouge, on t'applaudit. Qui va refuser? Sauf si tu es hypocrite. Donc, refuser la grâce, c'est refuser la gloire, parce qu'on nous a dit que nous avons lu ici le passage qu'on m'a donné dans Proverbe 11, que la femme qui a la grâce, elle a aussi la gloire. Alors dis à ton voisin, vous avez la grâce, vous avez aussi la gloire. En tout cas, la gloire, c'est quelque chose d'intéressant. Voyons dans la Bible les femmes qui ont eu la grâce. Commençons dans l'Ancien Testament. Esther. Esther, dans le livre d'Esther, c'est une orpheline. Elle était chez son oncle, chez son cousin. Arrête de pleurer. Tu as déjà 30 ans. Je suis orpheline. Non, tu as la grâce. Tu as déjà 30 ans de travail. Esther n'a pas travaillé à la Jécamine, n'a pas été infirmière à Saint-Luc. Esther, c'était une orpheline. Alors, il y a une madame qui était impolie, une femme mariée qui était insoumise. Alors, nous, les femmes mariées, alléluia. Si tu es impolie, Esther va venir et tu vas commencer à venir chez moi. On va commencer à faire jeûne et prier trop tard. Esther, assez à 8 places. Vasti. Nous avons beaucoup de Vasti. Vasti, Vasti veut donner les ordres à son mari. Vasti veut commander porter la culotte, comme on dit. Et le pauvre mari le suit comme un mouton. Je n'aime pas ça. Vasti, arrête. Le mari doit diriger, c'est ce que la Bible nous dit. Comme Vasti était impolie et désobéissante, Esther est arrivée. On a demandé à toutes les jeunes filles belle comme Esther. Il y avait beaucoup d'autres jeunes filles. Il n'y avait pas qu'Esther. Mais on nous dit qu'elle a trouvé grâce même devant l'eunuque qui était chargé des femmes. Alléluia. Amen. Dès qu'elle a trouvé grâce devant cet homme et qu'on a fait le choix des miss, quand elle est arrivée chez le roi Assuérus, la Bible nous dit qu'elle a trouvé aussi grâce devant le roi. Elle a été couronnée, elle a reçu la grâce, elle a eu la gloire. Disons ensemble la gloire.
Elle est devenue reine et elle a sauvé son peuple de la mort. Donc ne soyons pas dévastés. Hein. Ça, c'était l'Ancien Testament. Hein. Le Nouveau Testament, ces femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Alors on me pose toujours la question, maintenant si mon mari m'appelle, il me demande, on va au bar, je fais comment, j'obéis, je dis non, là tu désobéis. Et si mon mari me dit, il ne faut pas donner la dîme, je fais comment, alors que c'est moi qui travaille, là je dis, là tu désobéis, tu dis, le salaire est individuel. Deuxième femme que nous allons voir, une femme qui a reçu la gloire, elle a reçu la grâce. Ça, c'est le passage que le pasteur Bertine aime beaucoup lire. Luc chapitre 8. Pasteur Bertine, c'est ma grande sœur, je copie beaucoup ce qu'elle fait. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Nous lisons tous ensemble, 1, 2, 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie de Magdala, Mawa, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Selon la coutume juive, les disciples subvenaient aux besoins des rabbins. Marie de Magdala, nous allons parler un peu d'elle, la deuxième personnage. Marie de Magdala, et chaque fois qu'on cite son nom, la Bible nous dit de laquelle étaient sortis 7 démons. Donc, la grâce de Marie de Magdala, on l'a délivrée, alléluia. Bon, il y en a qui pensent qu'elle était prostituée, mais la Bible ne le dit pas. C'est tout simplement, elle était possédée. Donc, je me rappelle la chaussée des actes, quand le bishop faisait beaucoup de délivrances, nous avons vu des choses horribles. Les gens commençaient à venir avec des sachets, qu'on aille lui enlever les démons. Si elle était prostituée, elle vomit et elle retourne dans la prostitution. Si elle faisait des copes, de voler les habits dans les magasins et puis aller vendre, comme il savait que, je me tiens bien là-bas, on délivre, elle vient, on la délivre, elle vomit et puis elle retourne pour aller faire les copes et voler les habits dans les magasins et vendre. Et puis il s'est rendu compte que, mais je perds mon temps, je délivre les gens, ils retournent dans les péchés, ils retournent dans les lieux où les démons sont entrés en eux. C'est ainsi qu'il a arrêté de faire les délivrances. Parce que ça le fatiguait. Hein? Alors, quelle était la grâce de Marie de Magdala? On a chassé chez elle 7 démons. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va servir Jésus avec ses biens. Il y avait aussi cette femme de Chouza, comme on dit, il était Moulouba, qui avait été... À Bruxelles, nous pensons que Chouza était Moulou. Alors, ces femmes, hein, bon, qui lavait les habits de Jésus? Qui lui faisait à manger? Où il dormait? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas prendre les femmes comme des disciples officiels en Israël, il faut les hommes. Moralité, c'était des disciples, mais qui servaient Jésus avec leur bien. Je vous dis que Marie de Magdala, elle, sa grâce, c'est qu'on l'a délivrée. Si vous remarquez que votre enfant ou vous-même, vous avez des esprits impurs, vous avez des démons, mais il faut accepter la délivrance, hein. Il ne faut pas avoir honte. Amen. Et quand vous avez vomi, vous avez rampé comme des serpents, il ne faut pas avoir honte. Relevez-vous, c'est fini, on vous a délivré, servez le Seigneur. Amen. Il ne faut pas commencer à regarder la personne. Cette maman-là, elle a rampé. Non, la Bible nous dit, Marie de Magdala, sans honte, chaque fois de laquelle a été délivrée de 7 démons. Maintenant, son attitude à cette Marie de Magdala,
quelle est la gloire que cette madame a reçue? Allons dans Luc chapitre 23. J'aime beaucoup Luc parce qu'il était médecin. Maintenant, comme je commence à voir là, j'ai besoin de médecin. Luc chapitre 23. Regardez cette Marie de Magdala. Suivons-la bien. Luc 23. Jésus est condamné. Jésus est, on va l'amener pour le crucifier. Écoutez ce que Jésus va dire. À partir du verset 26. Comme il l'amenait, donc Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans, nous avions prêché sur Simon de Cyrène. Je n'ai jamais entendu une telle prédication. Le docteur Karanja a dit, « Why me? Pourquoi moi? Why now? Pourquoi maintenant? So what? Et puis quoi? Pourquoi est-ce que c'est moi, Simon de Cyrène? » Mais ce qui me concerne, c'est Marie. Verset 27. Il était suivi, donc Jésus, d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles, donc vers les femmes, et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Allons encore au verset 55, toujours de Luc. Luc chapitre 23, verset 55, nous lisons. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournés, ils préparèrent des aromates et des parfums. Puis, elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Ces femmes qui se frappaient la poitrine, qui suivaient Jésus avec sa croix, il y avait aussi Marie de Magdala. Où étaient les hommes? Ils étaient cachés, hein? Frère, Kokimate, ne fouille pas. Alors, Jésus s'est retourné. Il y avait aussi Marie de Magdala. Les démons sont déjà partis. Maintenant, elle est devenue grande servante de Dieu. Jésus s'est retourné et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. » Pleurez sur vous et sur vos enfants. Ça veut dire Jésus a donné la responsabilité de l'intercession à vous les madames, à vous les jeunes filles. Ne fouillez pas la prière, venez. Jésus nous a donné une grande responsabilité. Il n'a pas dit ça aux disciples, hein? Il nous a donné à nous, aux femmes qui étaient des braves, des courageuses, qui suivaient même derrière la croix. Elles ont regardé là où on mettait Jésus en tombe. Alléluia. « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. » Jésus savait, il y aura des temps difficiles où prêcher l'évangile, on se moque de nous. Ou être chrétienne, c'est dire publiquement, au travail où vous êtes, on va vous ridiculiser. Jésus savait, il y aura des gens qui vont enlever les enfants. Et surtout, ils enlèvent aussi les femmes. Jésus savait, c'est pour cela qu'on doit prier, hein, madame. Amen. Qu'est-ce que Marie de Magdala a fait? Comme elle a reçu cette grâce, elle va voir Jésus ressuscité. Alléluia. Marc, chapitre 24. Nous continuons. Le premier jour de la semaine, elle se rendit, donc toujours Marie de Magdala, au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrés, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur, Jésus, le Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habit resplendissant français. Saisis de frayeur et baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Alléluia. » Nous lisons le même passage à Marc chapitre 16. Chaque évangéliste donne sa version, c'est normal. Comme je suis en train de vous parler, nous sommes je ne sais pas à combien, chaque personne va comprendre et va interpréter de sa manière. C'est comme ça, mais
Le but, c'est la même chose. Marc, chapitre 16, nous dit ceci. Oh, mon syllabus. Verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, écoutez encore elle, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, achetèrent les aromates afin d'aller embaumer Jésus. Voilà, voyez le verset 9, il y en a qui le contestent aussi. Toujours Marc 16. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, Marc dit, apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Voici, quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne le crurent. Il y avait un commentaire qui disait que Marie de Magdala est devenue apôtre des apôtres. Apôtre des apôtres. Elle est devenue envoyée pour les envoyer. C'est elle, selon Marc, qui est partie dire au papa qui était caché que Jésus-Christ est... il ne faut mépriser personne. Marie de Magdala, selon Luc 8, elle servait Jésus avec ses biens. Marie de Magdala a suivi Jésus depuis la Galilée. Elle a vu là où on le crucifiait. Elle a vu là où Joseph d'Arimathée déposait le corps de Jésus. Marie de Magdala n'a pas quitté le tombe. Elle n'a pas quitté des yeux Jésus. Elle voulait voir. Elle est allée avec ses copines. Ils ont acheté des aromates comme c'est dans leur coutume. Elles allaient pour aller embaumer Jésus. Et puis en route, il y a un évangéliste qui dit, « Oh, qui va nous enlever la pierre ?» Marie de Magdala ne savait pas que Jésus est déjà ressuscité. Parfois, on est là, oh, nous avons des problèmes d'argent, on commence à prier, alors que Jésus a déjà même pourvu. Il faut ouvrir les yeux. Quand Marie de Magdala a regardé dans la tombe, Jésus n'est plus là. Et puis l'ange leur a parlé. Et puis, Jésus donne la mission, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Je suis, allez, vous allez me rencontrer en Galilée. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on la délivre? Absolument rien. Mais après avoir accepté cette grâce de délivrance, elle était fidèle. Disons ensemble, fidèle. Elle était courageuse. Disons ensemble, courageuse. Elle avait un amour inlassable pour son maître. On va te délivrer. Tu as reçu la grâce de connaître Jésus, c'est vrai. Mais tu fais quoi pour lui? Pour montrer que tu l'aimes. Voici cette démoniaque, ma sœur Marie de Magdala, elle est devenue apôtre des apôtres, tout simplement parce qu'elle a accepté la grâce. Amen. Il faut accepter la grâce, parce que la grâce est pour tout le monde. Notre dernier exemple, c'est l'exemple connu, Luc chapitre 1. Je vous disais que j'aime beaucoup Luc. C'est Marie, la mère de Jésus. Parce qu'on m'a demandé de parler des femmes qui ont reçu la grâce et qui reçoivent la gloire. Esther a reçu la gloire. Marie de Magdala a reçu la gloire parce qu'elle a vu Jésus ressuscité. Amen. Et que Jésus lui a même donné une mission. Elle est devenue apôtre des apôtres. Luc, chapitre 1er, verset 26. Au sixième mois, vous connaissez, hein? L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » L'ange n'a jamais adoré Marie.
L'ange n'a jamais donné l'ordre à l'église d'aller adorer Marie. L'ange a seulement fait sa mission, aller dire à Marie qu'elle va mettre au monde. Et voici, Marie a posé une question en disant, comment cela se fera-t-il? Verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici ce qu'elle va dire au verset 38 que je vous encourage de lire avec moi. Verset 38, la réponse de Marie. Marie dit, je suis la servante du Seigneur qui me fait selon ta parole et l'ange. Alléluia! Quelqu'un me disait à la maison que si Marie, c'était une fille d'aujourd'hui, elle allait à l'hôpital officiellement avorter et qu'est-ce qu'on allait devenir? Mais bien sûr, une fille d'aujourd'hui, dans sa mobilité, eh ben, elle va enlever la grossesse, c'est un point de trait. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Une fille obéissante à la parole de Dieu, une fille soumise à la parole de Dieu et une fille humble. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. La femme qui reçoit la grâce va recevoir la gloire. Et va recevoir la gloire parce que nous sommes en train de louer le Seigneur Jésus qui est son fils. Hein? Amen. Nous sommes en train d'adorer celui qu'elle, elle a accouché. C'est pour cela qu'il ne faut pas mépriser la maternité. N'est-ce pas? C'est quelque chose que les hommes n'ont pas. Dieu a voulu nous honorer parce que c'est Ève qui avait péché la première. Alors Dieu, pour enlever cette confusion des femmes, il a permis que Jésus naisse par une femme. Hein? Parce que Dieu pouvait faire que Jésus tombe du ciel, n'est-ce pas? Rien n'est impossible à Dieu, Marie a dit, parce que je suis une servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitta. L'ange n'a pas adoré Marie. L'ange n'a rien dit. Marie n'a pas dit adorer moi. Marie a dit adorer Jésus. Même lorsque Jean chapitre 2, il est allé faire ce que beaucoup de chrétiens pentecôtistes impies aiment. Oh Dieu, Jésus a multiplié, a changé l'eau en vin. Beaucoup de chrétiens impies, pentecôtistes qui boivent l'alcool, qui s'enivrent et qui commencent à faire n'importe quoi. C'est parce qu'ils aiment ce passage. Oui, non, dans votre Bible là, c'est écrit que Jésus a multiplié, a changé l'eau en vin. Qui vous a dit qu'il s'était enivré? La Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Mais quand Marie est allée voir son fils, elle était aussi invitée. Elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. J'ai dit, ah femme, madame, mais ce n'est pas encore mon heure. Mais elle s'est retournée chez ces gens-là. Voici les conseils de Marie que nous devons tous suivre. Alléluia. Qu'est-ce que Marie a dit de son fils? Faites ce... Mais c'est tout. Amen. Amen. Elle a obtenu la gloire. Maintenant, vous voulez obtenir la gloire? Parce que la grâce est pour tout le monde. Amen. Marie de Magdala a obtenu la gloire. Esther a obtenu la gloire. Marie, la mère de mon Seigneur, a obtenu la grande gloire. Amen. Parce que qu'est-ce que je serais devenu moi si Jésus n'était pas né? N'est-ce pas? Mais... il y a une condition. Il y a une condition. Jésus est venu. J'ai lu même quelque part qui disait que la grâce pour le salut des hommes, là, c'est Jésus-Christ lui-même. La grâce de Dieu, d'abord, c'est Jésus-Christ lui-même qui est venu pour le salut de tous les hommes. Mais beaucoup d'hommes ne le savent pas. Et c'est à nous d'aller leur dire, si vous êtes ici dans cette salle, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, Jésus est venu pour vous. Amen. Si vous n'avez jamais dit au Seigneur,
vient dans mon cœur, vous n'aurez jamais de gloire. Même si vous êtes président de la République, même si vous êtes premier ministre de votre pays, mais il y en a même ministre de son pays, la nuit il va dormir chez les féticheurs parce qu'il tremble devant les vols, devant les bandoki, c'est quoi on appelle, les sorciers. Beaucoup de gens qui n'ont pas Jésus ont peur. Ils ont la gloire à l'extérieur, mais au fond de leur cœur, ils n'ont pas la paix. Hein. Le bishop nous disait hier, psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. » Tous les jours. Vous voulez que le bonheur et la grâce vous accompagnent? Il faut accepter Jésus. C'est la condition. La grâce, il faut l'accepter. N'est-ce pas quand on nous donne les cadeaux? Si vous avez donné un cadeau à quelqu'un, et puis le soir, il vient vous remettre le cadeau, vous allez être choqué, n'est-ce pas? C'est comme quand je suis arrivé ici, j'ai dirigé l'école le dimanche au départ. Quand je commence à donner la collation, les beignets, les biscuits aux enfants d'ici, je dis, non merci. Ah, j'ai dit, ah, que j'ai même dans mon pays, est-ce qu'un enfant de là, il va refuser les biscuits? Un de mes frères était venu chez moi quand mes enfants grandissaient. Tout ce qu'il leur donne à manger, non merci. Non. Alors à un moment donné, mon petit frère commence à les appeler, et comment ils voient les non merci? Lorsqu'on refuse un cadeau, ça va frustrer la personne qui vous a donné le cadeau, n'est-ce pas? Mais quand on refuse Jésus, vous savez que ça frustre Dieu. Mais refuser Jésus, c'est refuser la gloire. Refuser Jésus, c'est refuser et c'est frustrer le cœur de Dieu. De toutes les façons, qu'on le croit ou pas. Parce que Dieu n'existe pas parce que nous croyons, hein. Il y en a qui disent, moi, je ne crois pas en vos histoires. Mais Dieu ne dépend pas de vous. Est-ce que Dieu va demander votre avis? Ce soir, je suis venu vous supplier. Si vous êtes ici dans cette salle, vous n'avez jamais invité Jésus dans votre cœur. Vous n'avez jamais dit à Jésus, Seigneur, je me soumets à vous. Comme Marie a dit, je suis une servante du Seigneur qui me soit fait selon sa parole. Si vous n'avez jamais fait cette prière, je voudrais vous encourager pour que vous puissiez faire cette prière ce soir. Peut-être aujourd'hui c'est votre jour, amen. Aujourd'hui c'est votre jour de grâce. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, alléluia. J'ai envie de chanter un chant, des chants de victoire, mais ce n'est pas bien, parce que vous ne connaissez pas ça. Beaucoup de gens connaissent, mais ce n'est pas gentil pour les musiciens. Surtout que c'est une de mes petites filles qui joue au piano aujourd'hui. Seulement, la grâce de Dieu, nous devons l'accepter ou la refuser. Amen. Dans le culte de l'après-midi, j'aime toujours qu'on prie pour les personnes qui veulent accepter le Seigneur Jésus. Puis-je vous demander de vous incliner dans la prière et nous allons prier. On va faire l'appel. On va faire l'appel. Si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, tout ce que j'ai dit là est la gloire. Et la grâce vous concerne, mais vous devez dire oui. Laissez-moi chanter quand même les chants du bishop d'hier, parce que c'était très bien. Il y avait quelques personnes qui les connaissaient, le 86. Il y avait l'internet cherché. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle,
continuer dans la prière pendant que je fais cet appel. Si vous êtes ici cet après-midi, vous n'avez jamais, jamais donné votre vie au Seigneur. Vous n'avez jamais demandé à Jésus de venir dans votre cœur. Vous n'avez jamais... Vous venez à l'église, vous connaissez l'église, vous connaissez même les chants. Vous avez peut-être même grandi dans l'église. Mais vous vous rendez compte que non, Jésus n'est pas au centre de ma vie. Puis je vous demandais de vous tenir debout pour que je puisse prier pour vous. Pendant que l'église a les yeux fermés, je voudrais vous demander cet après-midi à vous consacrer au Seigneur et à vous donner au Seigneur pour que le Seigneur vous donne la gloire. C'est un temps de grâce. Ou même vous êtes dans l'église et vous vivez dans le péché. Vous n'avez pas encore renoncé vraiment au péché. Vous êtes là, vous êtes dans le ministère. Vous travaillez pour Dieu, mais sans être vraiment consacré. Si vous êtes là, puis-je vous demander de vous tenir debout pour que nous puissions prier pour vous. C'est le temps de la grâce. La grâce coule dans cette salle et dans ce lieu pour vous. Peut-être ce message était seulement pour vous parce que Dieu vous aime. Il veut vous transformer. Puis je vous demande à l'assemblée de se tenir debout et que nous allons prier. On va se reconsacrer à Dieu parce que la grâce coule. Parce que nous sommes dans l'année de la grâce. Nous allons nous tenir debout et nous reconsacrer à Dieu. Je vais prier comme ça, vous allez suivre ma prière. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Pour ta grâce dans ma vie. Aujourd'hui, le jour de Pâques, où nous nous rappelons de ta résurrection, je m'abandonne à toi. Je viens me reconsacrer à toi. À toi mon cœur, à toi mon âme, à toi mon esprit. Je vais vivre ma vie pour toi. Je me donne à 100%. Je refuse de te servir en traînant les pieds. Comme Marie de Magdala, je vais te servir avec joie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les noms, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les noms, les mauvais jours, à toi pour. À toi, Jésus, pour toujours. Amen. Je voudrais appeler Cathy Swift, la femme de notre boss, parce qu'elle a un message à donner pour Cancan. Ah, Yolande, ok. Oh, grâce à quelqu'un, il y a tante Yolande qui va transmettre. Merci. Good afternoon. Bonjour. Ah, maman. Bonjour, bon après-midi. Wonderful. Merveilleux, maman. Let's give mama a big hand. It was wonderful. Nous pouvons l'acclamer. One thing I appreciate more about Mutabele's Bishop and Maman Bishop. Une chose que j'apprécie le plus à propos des Mutabele, à propos de maman et papa, is that they care about you. C'est qu'ils se soucient de vous. They care about your heart. Ils se soucient à propos de votre cœur. And that is worth everything. Et ça vaut plus que toute autre chose. Amen. Amen. I greet you with all the ladies across Western Europe. Je vous salue au nom de toutes les femmes de l'Europe de l'Est.
And I thank Mama for giving me this little time. Et je remercie maman pour me donner ce petit instant. Do you see that on the screen? Est-ce que vous voyez ce qui est à l'écran? How many has a finger? You have a finger? Combien ont un doigt? You remember the song, This Little Light of Mine? Est-ce que vous vous souvenez du chant Cette lumière en moi? I'm gonna let it shine. Je vais la faire briller. Well, the Church of God International, l'Église de Dieu internationale, the World Missions Department, le département de la mission mondiale, our sister Griffiths, David Griffiths's wife, la femme de David Griffiths, he is the World Missions Director. C'est le directeur de la mission mondiale. She had a heartbeat for children. Elle a son cœur qui bat pour les enfants. Petite enfant. Les petits enfants. Amen. And she said, children need to help children around the world. Et elle dit que les enfants ont besoin d'aider les autres enfants au travers le monde. Go back to the first screen, please. Repartons Thank à l'écran you. Précédent. And so six. Around the world, six continents around the world, les six continents dans le monde, have been chosen, ont été choisis, as children helping children, afin que les enfants puissent aider les autres enfants. And I am very honored to say, et je suis très honorée de dire, that Kenya, que le Kenya, the project in Kenya, que le projet au Kenya, has been chosen as one of those six. Et le projet au Kenya a été choisi parmi un des six. So what does that mean to you? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? I challenge you. Je vous défie. Your children's church. Enfants de l'église. Your Sunday school. Vos écoles du dimanche. Let us support. Que nous puissions supporter. This project. Ce projet. Called This Little Light of Mine, qui est appelée Cette Lumière en moi, and you can learn more about it, et vous pouvez apprendre un peu plus à ce sujet, at this website, sur ce site web. It is TLLOM, This Little Light of Mine, Cette Petite Lumière en moi, and I challenge you, et je vous défie, you helped Kenya year before last. Vous avez aidé le Kenya l'année passée. The women across Western Europe were such a blessing. Les femmes au travers de l'Europe de l'Est ont été une telle bénédiction. We continue to feed 2,000 every week. Nous continuons à nourrir 2,000 chaque semaine. And educate. Et éduquer. And give school supplies and shoes. Et apporter du matériel pour l'école et des chaussures. Because of the grace of God. À cause de la grâce de Dieu. And all of you. De chacun d'entre vous. Let us lead Western Europe. Continuons à diriger l'Europe de l'Est. Children. Les enfants. Children. Qui aident les autres enfants. Amen. Amen. All right. Now we go to the next one. Nous allons à l'écran suivant. Thank you very much. Merci. I am so proud of the women even here in Belgium. Je suis tellement fière des femmes ici en Belgique. You have such wonderful leadership. Vous avez un tel leadership. And you come together and have support for one another. Et vous venez ensemble et vous vous supportez les unes les autres. But everybody Mais tout le monde doesn't understand that. Ne comprend pas cela. I want to ask you a question. J'aimerais vous poser une question. Do you know what this is? Est-ce que vous savez ce que c'est? Yeah, it's the word, hein? C'est la parole. Everybody does not know what this is. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Vous voyez? Certaines personnes pensent que c'est vide. That there's nothing in it. Qu'il n'y a rien à l'intérieur. Nothing valuable. Rien de valable. And so in September, et en septembre, a very different kind of conference. Une conférence totalement différente aura lieu. I want us to see souls saved. Et j'aimerais que nous puissions voir des âmes sauvées. Forgive me, I am very emotional about this. Pardonnez-moi, je suis très émotionnée à ce sujet. The Holy Spirit has really been speaking to my heart. Le Saint-Esprit a véritablement parlé à mon cœur. The word is not blank.
Donc la parole n'est pas vide. It has truth. Il y a une vérité. It has truth in it. Il y a une vérité à l'intérieur. But we've got to win souls for the Lord. Et nous avons besoin de gagner les âmes pour le Seigneur. And it's our responsibility, ladies. C'est notre responsabilité en tant que femmes. So let's go fishing. Allons pêcher. Allons pêcher. And bring a friend that doesn't go to church. Et amenons un ami qui ne va pas encore à l'église. To this conference. À cette conférence. To be held in the Netherlands. Qui sera tenue en Hollande, aux Pays-Bas. For our four countries. Pour nos quatre pays. And many that I will invite from other countries. Et beaucoup seront invités de différents pays. 3 days. 3 jours. Very different. Très différent. Bathed by the Holy Spirit and the Lord's presence. Couvert par le Saint-Esprit et la présence de Dieu. But I need you. Mais j'ai besoin de vous. I need you, ladies. J'ai besoin de vous, femmes. To support it. Pour supporter ce projet. And bring a friend. Et amener des amis. That doesn't attend church. Qui ne va pas encore à l'église. And there will be a blessing for you and her this way. If you bring someone. Et ce sera une bénédiction pour vous si vous amenez quelqu'un de cette façon. This is always important, right? C'est toujours important. Smile. Souriez, at me, eh? Souriez. So I challenge you to come and join us and break boundaries. Et je vous défie de vous joindre à nous afin de briser les barrières. And we will be bathed in prayer. Et nous allons nous incliner dans la prière. And by the grace of the Lord Jesus Christ. Et par la grâce de notre Seigneur Jésus. We will see on Saturday. Nous nous verrons ce samedi. At the close of the service. À la clôture du service. We will see souls won unto the kingdom of God. Et nous allons voir les âmes gagnées pour le royaume de Dieu. I'll see you soon. Je vous verrai très bientôt. Amen. God Amen. Bless. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes arrivés où nous voulons apporter nos offrandes dans la maison de l'Éternel. Je ne sais pas si... Voilà, maman va parler. Alléluia les mamans. Alléluia les mamans. Amen. Oh, je ne le sens pas. Alléluia les mamans. Amen. Alléluia les mamans. Amen. Ça, c'est un service qui a une énergie différente. Amen. Amen. Nous sentons la présence de nos mamans. Papa, excusez-nous. Ce n'est pas que vous avez fui. Vous êtes là. Amen. Mais cet après-midi, je voulais juste encourager les mamans. Nous avons l'énergie, la joie. Nous célébrons notre Dieu, la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant. Yeah.
belle. Amen. Les mamans, on veut continuer à danser. Il y a tellement de l'énergie ici. Mais nous voulons rester sous le temps. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es le Dieu des mamans, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous connais par notre nom. Seigneur, ce soir, cet après-midi, tu nous fais du bien, Seigneur, dans ta présence. Nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as mis en nous. Merci aussi pour ces offrandes, Seigneur. Nous t'amenons, Seigneur, de bonne odeur pour te faire du bien, Seigneur. Que tu sois loué, glorifié. Bénis les mamans, ô Dieu Tout-Puissant. Leur travail, Seigneur, leur occupation. Seigneur, qu'elles puissent encore amener davantage dans ta maison. Pour ta gloire, nous avons ici prié au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.